Mon nom, c'est Israël Ingetafarson. Je suis, on va dire, ingénieur en génie des procédés chimiques de base. Donc actuellement, je suis sur un projet, sur des projets en fait, entre autres sur le traitement des eaux usées et la production d'éthanol combustible. En fait, c'est pour fournir de l'énergie alternative au charbon de bois principalement. Et aussi en dernier, on est aussi sur la production d'huile essentielle. Ok. Ouais. C'est le mois de la francophonie. La journée internationale de la francophonie est le 20 mars, sous le thème « La langue française, notre trait d'union pour agir ». En quoi la langue française et l'activité qu'on a eue ce matin pour les jeunes avec l'IFDD et Logique, en quoi la langue française peut être utile pour votre projet? En fait, déjà, comme on dit, déjà le fait d'être ici en présence de beaucoup de monde qui est, on va dire, d'origine francophone, donc c'est déjà quelque chose, c'est déjà un gros point parce que quand on présente des projets, donc il faut qu'on a ce moyen de communication, qu'on se comprenne bien et qu'on arrive bien à faire passer le message. Donc principalement, je dis que la langue française et la francophonie, c'est un plus lorsqu'on peut échanger avec des gens qui comprend ce qu'on veut dire et le message qu'on veut faire passer. Tout à fait. Ouais. Nous sommes aujourd'hui au Salon des technologies environnementales de Québec. En quoi ce salon peut être bénéfique pour votre projet? Alors, en venant ici, j'ai découvert qu'il y a beaucoup de thèmes et beaucoup d'ateliers, de conférences sur lesquelles on peut assister et sur lesquelles on peut voir qu'il y a beaucoup de technologies en matière d'environnement qui se font. Principalement au Québec, mais aussi dans d'autres pays. Et c'est très intéressant parce que là, on peut se connecter avec des gens, on peut s'échanger avec eux et s'enrichir aussi en termes de connaissances et en termes de technologies sur lesquelles on peut, on va dire, faire avancer aussi notre projet qui est dans notre pays, quoi. Ouais. Et merci pour l'entretien et on vous souhaite une bonne continuation dans tous vos projets. Merci à vous.